Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. Alors avant de commencer, je voulais absolument remercier Origine Animale et Justine Bouquet pour ce cadeau, ce magnifique t-shirt aux couleurs en plus de ma ville de naissance que j'adore. Et je vais vous montrer, le dos est dingue. Je vais couper et je vais vous montrer le dos parce que comme je suis toujours bloquée, le temps que je fasse le demi-tour, ça risque d'être plus long que le sujet en soi. Donc, je vais faire comme ça. Et si ça ne rend pas bien, parce que forcément, je ne me vois pas de dos, je ferai une intégration d'image pour vous montrer parce que c'est fou. Et franchement, les filles, merci. Vous ne pouviez pas mieux choisir, vous ne pouviez pas mieux tomber. Je l'adore. Et vous savez quoi, en plus dans le colis, il y avait des petits cadeaux pour Duchesse qui s'est régalée. J'ai fait d'ailleurs des petites vidéos dans mon Instagram. Ceux qui ne me suivaient pas, rejoignez-nous parce que j'y suis très active en story. Alors vraiment, les filles, vous êtes au top et merci, ça me touche infiniment. Bon, voilà pour la mignonnerie du dimanche et pour le sujet un petit peu léger, mais il va falloir s'y mettre. Alors vous savez que cela fait un moment que j'essaie de vous démontrer que le show business, et en particulier l'industrie musicale ou encore l'industrie cinématographique, ne sont rien d'autre que des outils de propagande du système. À base de symbolisme, d'égrégores et de tout un tas d'autres manœuvres, stratégies, appelez ça comme bon vous semble, répugnantes, ça c'est certain, qui n'ont pas d'autre fonction que celle de contrôler et de diriger les masses avec des messages prédéterminés et en fonction d'un discours, d'un narratif allant dans le sens d'un agenda spécifique établi par ceux que l'on a décidé de nommer l'élite. Élite inversée, élite illégitime et parasitaire of course, mais c'est ainsi qu'on a décidé de les nommer. Et pour le coup, les exemples validant cette théorie, cette hypothèse, sur ma chaîne, nous en avons à foison. Et pas que sur ma chaîne d'ailleurs, il y a des milliers de youtubeurs, de tiktokers, d'instagrammeurs qui le démontrent au quotidien. Pourtant, je sais que les sceptiques s'accrochent à leur déni et que les gardiens de la morale absolue s'offusquent de plus en plus agressivement en plus et montent au créneau contre ces théories qu'ils qualifient de conspirationnisme. Alors, conspirationnisme, le nouveau terme fourre-tout pour toute réflexion qui sort de l'ordinaire et qui ne suit pas à la lettre les idées prédigérées du narratif officiel. Alors pour vous, pour cela, pour ceux qui adhèrent au fait que ça ressemble à n'importe quoi et que ces théories sont tubuesques, pour vous, j'ai une question. Vous êtes-vous déjà demandé, ou plutôt, comment expliquez-vous que les nouvelles icônes de nos jours ne soient que des gens qui ne savent pas aligner deux phrases et qui véhiculent des valeurs dont la vacuité n'est même pas à démontrer, que ce soit maintenant dans les clips, que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit dans les téléréalités, que ce soit dans les programmes jeunesse, mais surtout, on va dire les clips, c'est je crois le plus flagrant, l'argent, la luxure, les femmes objets, la prostitution, les armes, le gangsta style, la porno, la sexualisation à outrance et j'en passe. Et malgré ça, ces gens-là, hein, on les voit partout. Magasins, réseaux sociaux, sans censure. Eux, par contre, ils n'ont pas de censure. Comment expliquez-vous que des youtubeurs comme moi soyons obligés, alors que j'estime parler un langage soutenu, en tout cas clairement pas familier, choisir ne jamais être vulgaire et utiliser des mots qui ont du sens par rapport au sujet que je traite, comment expliquez-vous que les gens comme nous soyons censurés, obligés de flouter des mots, obligés de trouver des façons parallèles de faire passer l'information, quand sur le côté, t'as des clips, t'as des chansons, et que ce soit français ou américain, hein, parce que c'est pas, on va pas commencer à excuser en disant, ouais, mais il y en a, ils comprennent pas l'anglais, donc ils sont à mille lieues de se douter de ce qui est raconté dans les clips. Alors déjà, c'est pas vous qui faites la modération, c'est l'algorithme, et ça ne vous est jamais venu à l'idée de vous demander, mais enfin, comment c'est possible que j'ai une chanson qui véhicule des images et des messages qui sont juste abjects, sans problème, à coup de millions de vues, et que par contre des youtubeurs qui tentent de partager leur opinion soient censurés à tout va. Parce que je le répète, malgré tout ça, ces artistes-là, ils passent en boucle à la radio. Ils sont de tous les événements.
touche à tous les secteurs. Aujourd'hui, ils sont chanteurs, stylistes, agents immobiliers, présentateurs télé, parfumeurs, tout, partout. Vous vous êtes jamais demandé comment, pourquoi, comment, je le répète, comment est-ce que c'était possible alors que certains de leurs propos ne sont que l'apologie de la haine, de la violence, quand ce n'est pas une incitation pure et simple pour notre jeunesse à la dépravation. Et attention, je suis loin d'être une grenouille de bénitier, je suis loin d'être une puriste, mais à un moment donné, j'ai un fils adolescent, je sais ce qu'il regarde, je vois, j'ai des yeux, je vois les nouvelles tendances qui sont poussées par ces nouveaux créateurs. Pour que j'en vienne à cette constatation, c'est que, parce que dites-vous, nous, c'est les États-Unis. Mais ça arrive chez vous. Et si ça arrive chez vous, vous allez comprendre. Mais je pense qu'il y a certains endroits dans les grandes villes où déjà, on voit, quoi. Eh bien, pour vous qui aurez des doutes, tu vois, à qui ça n'a jamais perturbé, qui se sont jamais dit, mais quand même, qu'est-ce que c'est que cette justice à deux vitesses? Mais pourquoi c'est pas hyper fair-play, cette histoire? Parce qu'effectivement, on censure les youtubeurs parce qu'on dit qu'ils ont des idées dangereuses, mais les rappeurs, les twerkers, on va les appeler comme ça, et les candidats de télé-réalité qui règlent leurs comptes à coup d'aberration et de langage ordurier, nos problèmes. Bien, c'est simple. Moi, je vais vous dire pourquoi ces gens-là ne sont pas censurés. Et bien sûr, je ne parle pas, je ne les mets pas tous dans le même sac, dans le sens où ceux qui nous intéressent vraiment sont ceux qui ont une aura internationale. Quand je mets les candidats de télé-réalité, c'est pour dire qu'eux aussi passent à travers les mailles du filet, mais ceux qui nous intéressent, c'est ceux vraiment qui font du bruit et qui sont suivis par des millions de fans. Ben, je vais vous dire, eux, ils sont la raison pour laquelle on les laisse passer des messages outranciers avec cette simplicité déconcertante, c'est qu'ils sont simplement en mission. Et oui, ces gens-là sont des agents du système pour vous faire avaler des couleuvres et faire passer le plan de l'élite dans l'indifférence générale. Conscient, pas conscient, certains très conscients, certains pas du tout conscients et manipulables, là n'est pas la question, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des choses qui vaillent la peine que certains se posent au moins la question. Récemment, d'ailleurs, on a pu le voir de manière, j'ai envie de dire, quasi indiscutable, avec ce tragique fait divers qui a mis la France à feu et à sang, l'histoire de Naël. Alors, d'ailleurs, Naël, vous m'avez demandé pour certains de traiter le sujet. Je ne l'ai pas fait parce que j'estime qu'il y avait beaucoup de choses, moi, perso, qui m'ont perturbée. Et je voulais pas participer à des jugements à l'emporte-pièce où enfin, chacun est différent. Il y a des choses qui m'ont... Je ne vais pas mentir, hein, je ne vais pas faire la langue de bois. Il y a vraiment il y a des attitudes de la famille. Moi, je suis une maman, j'ai un fils unique. Voilà. Et je ne me suis pas sentie légitime dans le sens où j'aurais été trop critique. Et il y avait quand même une période de deuil à respecter. Mais en plus, le sujet a été extrêmement bien traité par la chaîne Parlons Peu, Parlons Bien. Et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il y en a deux, je vous encourage à aller les visionner parce que c'est vraiment un travail hyper complet sur le sujet et que je pense qu'il a tout dit. Vous allez voir à quoi il a connecté et ça prouve, ça apporte de l'eau à mon moulin et ça démontre encore que clairement, il y a une espèce de programmation prédictive qui est indéniable. Et moi, comme je vous l'avais annoncé, donc, et que je pense en plus de surcroît qu'il n'y a pas de meilleur exemple pour vous prouver mes dires, c'est l'analyse des symboles de la Queen en la matière. Je veux bien entendu parler de Queen Bee Beyoncé. Et vous allez voir que ces concerts sont la preuve ultime qu'elle prépare ses fans et le monde au plan transhumanisme du World Economic Forum et que c'est loin d'être la seule. Mais on va commencer par elle parce que ça vaut franchement le détour et c'est maintenant. Allez, on y va les amis.
Alors, ce n'est pas la première et certainement pas la dernière fois que je vais parler de Beyoncé sur cette chaîne, vu que clairement, cette dernière jouit d'un statut particulier dans l'industrie musicale. Elle est la Queen Bee, qu'on peut clairement comprendre au-delà de B, l'initiale B, l'initiale de B en anglais, mais bel et bien B, genre la reine des abeilles. Elle a reçu un statut royal qui se reflète constamment dans tout ce qu'elle fait. Alors que toute sa personnalité est entourée d'une aura de déesse, son statut signifie également qu'elle est le prototype ultime pour porter tous les messages et le symbolisme de l'élite occulte. À bien des écarts, elle est la figure de proue de l'industrie mondiale de la musique pop. Paradoxalement, lorsqu'on décode le symbolisme qui l'entoure, Beyoncé est aussi présentée comme l'exact opposé de la royauté. C'est une esclave robotique qui fait ce que disent ceux qui l'ont programmée, comme l'a intelligemment souligné d'ailleurs l'excellente analyse du site Vigilant Citizen. Je vous en parle très souvent, j'aime beaucoup ce site, il est très clair. Bon, pour le coup, cette fois-ci, on n'est pas tout à fait d'accord avec l'explication de la symbolique, bien qu'on se rejoigne sur de nombreux points. Alors clairement, l'imagerie de la tournée Renaissance World Tour de Beyoncé ne pouvait pas être plus claire. Divisé en 6 actes, le spectacle s'articule autour d'un récit global sur la renaissance de Beyoncé en tant qu'androïde qui culmine dans un passage troublant sur le contrôle de l'esprit. Laissez-moi vous dévoiler les coulisses de sa nouvelle tournée World Tour Renaissance. Avant même que le spectacle ne commence, le public est exposé au drapeau de la fierté LGBT. Parce que, eh bien, oui, c'est tout simplement obligatoire. Et quand je dis que c'est obligatoire, je pèse mes mots. Je vous prépare une vidéo pour la rentrée qui va vous faire halluciner, mais qui nécessite beaucoup de recherche et qui est assez touchy. Parce qu'aujourd'hui, tu peux toucher à rien sans être taxé des pires turpitudes de l'humanité, alors que c'est loin d'être le cas, parce que c'est ce qui se cache derrière. Et donc, comme je l'ai dit, Beyoncé a été construite pour promouvoir les agendas. Et le reste du spectacle explique comment non seulement elle a été construite, programmée, mais aussi et surtout, quelle est la suite, le futur qui nous attend, je vous le dis, programmation prédictive, on vous le met dans la tête, comme ça, lorsque ça arrive, inconsciemment, vous y étiez préparé, donc ça tue, si vous voulez, la révolte dans l'œuf. Le tout, bien sûr, hein, de manière symbolique, encore que, cette fois, ils sont quand même allés très loin. Dès le début, le spectacle commence par un symbolisme très intéressant. Le spectacle débute par une photo de Beyoncé qui se dévoile petit à petit, carré par carré. Pendant quelques minutes, les fans sont quand même amenés à regarder un signe subtil mais très présent et incontournable, l'œil. À ce stade, nous savons déjà qu'il s'agira d'un divertissement approuvé par l'élite. L'image complète révèle une Beyoncé qui ne porte pas beaucoup de vêtements. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de peau et de chair sur la photo que vous êtes en train de regarder. C'est la Beyoncé humaine. Pendant la première partie du spectacle, la Beyoncé humaine interprète certaines de ses chansons R&B plus lentes et très inspirées du gospel. Cependant, au premier entracte, une métamorphose se produit. Pendant le premier entracte, nous voyons la Beyoncé humaine se transformer en une chose robotique brillante. C'est ici que la Beyoncé humaine se transforme en une création artificielle, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans de nombreuses de mes vidéos. L'élite aime dépeindre ses esclaves industriels comme des androïdes qui ont été programmés par le contrôle mental du monarque. Mais non seulement cela les dépeint, mais cette fois-ci, ça va au-delà de ça et fait écho aux dernières déclarations de Yuval Harari, je le rappelle, principal conseiller du Forum économique mondial et l'un des créateurs du Great Reset, qui ont causé une grande inquiétude de ses propos, puisqu'il a révélé que des êtres humains modifiés apparaîtront très bientôt.
le génie génétique ainsi que les implants et l'utilisation de la robotique, de la nanotechnologie et de la biotechnologie et de l'intelligence artificielle devraient être utilisés pour modifier les êtres humains qui auront désormais des capacités mentales et physiques incroyablement améliorées selon les dernières déclarations de Harari. Il a dit que le problème sera que tout le monde, bien évidemment, n'y aura pas accès. Bah, tu m'étonnes. Bien évidemment que les riches vont s'empresser de ressembler à Robocop, alors que les pauvres, on va les laisser se droguer dans les rues comme ils sont actuellement de le faire. Et donc Harari, il est inquiet parce qu'il dit, lui, il parle de l'anxiété de nous, pauvres R, qui seront laissés à un stade inférieur et qui ne seront pas améliorés comme les autres. Ben oui, il est soucieux, le monsieur. Et donc, la transformation de Beyoncé dans cette seconde, selon moi, et là cela n'engage que moi et c'est ma lecture, matérialise ces deux aspects à l'ordre du jour de nos élites. Vous pensez que je vais trop loin? Que je suppute, que j'extrapole? Et pourtant, les choses ne peuvent pas être plus claires, puisque dans son propre show, quelques minutes après sa robotique transformation, les mots « mind control »,« contrôle de l'esprit » apparaîtront littéralement sur l'écran géant plus tard dans son spectacle, vous allez le voir. Puis à un moment donné du show, deux Beyoncé robotisées se font à leur face, une manière de représenter le dédoublement de personnalité des esclaves MK. Et à plusieurs reprises au cours du spectacle, nous voyons cette image étrange, une Beyoncé ailée chevauchant un missile. What the... D'ailleurs, coïncidence troublante, lorsque l'album éponyme de la tournée Renaissance est sorti, laissez-moi vous faire une petite rétrospective de la promotion. Dear Beyoncé chevauchait quatre différents chevaux, un blanc, un noir, un argenté, pour finir par le rouge, soit la réplique exacte, la symbolique parfaite pour la représentation des quatre chevaliers de l'Apocalypse. Et comme de par hasard, sachez qu'il s'agit de son septième album et vous savez comme moi combien la numérologie est importante pour les élites. L'agenda de la guerre est clairement là et est clairement annoncé. Il faut savoir qu'en fait, toute une partie de son spectacle tourne autour de la guerre. Ensuite, nous sommes emmenés quelque part ailleurs. Les jambes du robot de Beyoncé sont écartées et il y a un tunnel juste là. D'ailleurs, vous remarquerez, c'est toujours cette scène, toujours la même vue, vue et revue à travers tous les derniers concerts, dont celui, je fais parler de lui à cause du procès dont j'avais fait une vidéo, celui de Travis Scott. Encore une fois, alors que chaque artiste essaie d'être unique, alors que chaque show est censé vouloir être le mieux, le plus énorme, le plus fantastique, qu'il y a des millions qui sont investis, que c'est à qui sera le plus original, à qui sera le plus futuristique, à qui... on a toujours les mêmes scènes, toujours les mêmes symboliques et toujours cette espèce de portail. Et là, carrément, vous ne rêvez pas, hein, les spectateurs du show sont emmenés, clairement, dans le vagin de Beyoncé. Et apparemment, le vagin est très profond. Au bout du tunnel, Beyoncé Bot apparaît à l'intérieur d'elle-même. Pour moi, il s'agit d'une allusion au clonage robotique et autres délires eugénistes de vie éternelle, et c'est clairement énoncé à travers ce tableau. Une orientation de société qui plonge ses racines philosophiques dans l'histoire de l'eugénisme puis du transhumanisme comme vision du monde global et unifié du destin de l'humanité. La question de la démographie politique et du contrôle des naissances est au cœur des préoccupations et des stratégies d'hégémonie développées par le globalisme politique depuis l'origine du projet de République universelle et de l'État mondial unifié. C'est le plan du nouvel ordre mondial. Le décor est planté. Et petit clin d'œil qui ne manque pas d'ironie ou pas, hein, on peut la voir imiter des cornes sur sa tête. Elle doit certainement à ce moment-là nous montrer qui l'a programmée ou qui nous programmera
au choix. Puis, après ça, Beyoncé réapparaît devant la foule dans une toute nouvelle tenue. Beyoncé se tient sous un soleil, une étoile, vêtue d'une tenue d'androïde brillante. Il s'agit d'une référence directe au personnage de Maria dans le film Metropolis de 1929. L'androïde de Metropolis se tient sous un pentagramme inversé. Pour ceux qui l'ignoreraient, le film Metropolis est extrêmement important pour l'élite occulte, en particulier dans le monde du spectacle. Au fil des ans, de nombreuses artistes féminines ont fait référence à Maria dans leurs œuvres, y compris Beyoncé, elle-même à plusieurs reprises. Regardez Beyoncé il y a déjà 13 ans en arrière. Ce n'est pas pour rien que ce personnage issu d'un obscur film allemand revient sans cesse dans la culture populaire. Son histoire est tout à fait pertinente aujourd'hui. Dans Metropolis, Maria est une dirigeante charismatique, aimée de la classe ouvrière qui lui fait confiance. Cependant, un scientifique appartenant à l'élite la kidnappe et crée une androïde qui lui ressemble. Le robot est ensuite envoyé au courrier où il est utilisé pour corrompre leur morale et les pousser à travailler contre leurs propres intérêts. Le film culmine avec le robot Maria exécutant une danse érotique enflammée où elle incarne clairement Babylone, la grande prostituée de l'Apocalypse. En bref, Maria est la figure parfaite pour représenter le rôle des pop stars dans la culture populaire d'aujourd'hui. Et je ne peux et je ne veux, et il est impossible quand on a la connaissance, c'est qu'on a suffisamment étudié le symbolisme pour que ceci ne soit pas flagrant ou prête à discussion. Tout le long du spectacle, de nombreuses séquences vidéo montrent Beyoncé immergée dans l'eau, comme un bébé à naître, et attachée à toutes sortes de tubes et d'appareils. Elle est créée et programmée par ses manipulateurs. Il y a ça, parce que moi j'ai vu deux messages, mais il y a aussi le fait que c'est dorénavant comme ça que seront créés les enfants, et vous vous rappelez, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, il y a même un post dans mon Instagram avec ces nouvelles fermes à bébés, hein, parce que ça ressemble exactement à l'incubateur dans lequel ils vont développer ces enfants sans parents disponibles à la vente. Cela résume aussi, pour quasiment, l'ensemble du spectacle. Il y a beaucoup de symbolisme dans l'image que vous regardez en ce moment. Le corps entier de Beyoncé est fait de circuits, ce qui confirme qu'il n'y a plus de Beyoncé humaine. Plus important encore, elle a un œil caché par un bidule électrique, une façon parfaite de représenter son statut d'esclave de l'industrie. Au centre de l'écran, une version rendue du visage de Beyoncé est entourée de phases de la lune, une manière d'indiquer qu'il y a aussi de la sorcellerie dans la création de ce robot, exactement comme dans Metropolis. Et en plus d'ailleurs, en parlant de sorcellerie, parce que je vois d'ici les critiques, mais attends, robotique, nouvel ordre mondial et maintenant sorcellerie. Oui, il y a de la sorcellerie. Et c'est pas parce que dans notre culture, on a appris à s'en moquer et à ne pas y croire que ça annule le truc. Et quand je parle de sorcellerie, c'est parce que certains, cette idée, elle n'est pas venue comme ça de nulle part, certains ont mis en avant cette possibilité assez effrayante qui voudrait que Beyoncé utilise les âmes d'icônes de la musique pour nourrir son succès via des rituels. Alors, je sais, de prime abord, ça fait sourire, sauf que j'avoue que certaines coïncidences étranges ont été mises en avant, comme par exemple le fait que lorsqu'elle a commencé son tour en 2009, Michael Jackson est malheureusement décédé. Puis, avec sa tournée de Mrs. Carter Show en 2012, c'est Whitney Houston qui a décédé. Ensuite, a eu lieu sa tournée On The Run en 2014 et bim, Bobby Womack est décédé. Et en 2018, c'est Prince alors qu'elle entamait sa tournée Formation World Tour. Et quand cette année, elle annonce sa tournée, son fameux tour Renaissance 2023, c'est Tina Turner qui nous a quittés. Et de plus, elle est celle qui rend systématiquement les hommages les plus médiatisés à ces icônes disparues. C'est toujours ces hommages qui sont repris de partout. Bon, après, elle a du talent, la meuf, donc il y a ça aussi, ça joue. Mais quand même, comme vous le savez, les schémas
sont rarement des coïncidences. Et là, on est clairement face à un schéma. Vous avez besoin d'un dernier détail, si vous en fallait un, pour enfoncer indiscutablement le clou? Eh bien, je l'ai. Alors, vous ne pouvez pas ne pas connaître ou ne pas vous souvenir ou ne pas avoir vaguement entendu parler de la star iconique montante Aaliyah à l'époque, qui était la protégée, la star montante, mais on ne parlait que d'elle, et c'était la protégée de Jay-Z. Elle avait signé avec son label Rockefeller Records en 1996. Elle est décédée dans un tragique et mystérieux accident d'avion en 2001, à l'âge de 22 ans. Et devinez quoi ? Beyoncé avait également signé avec Rockefeller Records à l'époque et elle était une amie proche d'Aaliyah. La carrière de Beyoncé a alors commencé à décoller après le décès d'Aaliyah. Et c'est ainsi qu'elle est devenue Queen Bee et qu'elle s'est mariée à Jay-Z. Alors qu'à l'époque, il y avait des rumeurs, même si ce n'était pas trop normal, je crois, vu la différence d'âge, mais qu'il y avait une histoire entre Jay-Z et Aaliyah. Donc, on est bien d'accord, trop de coïncidences, crée bel et bien une belle évidence. Regardez encore cette image tirée du show, cette image est on ne peut plus éloquente. Beyoncé est littéralement enchaînée, tandis qu'elle tient un micro dans l'autre main. Quelle meilleure façon de représenter une esclave de l'industrie du divertissement et de faire un pied de nez au système. Comme Maria de Metropolis, Beyoncé botte a des messages à communiquer à son public. Vers la fin du show, les spectateurs sont soumis à un schéma hypnotique en rotation, tandis que des sons inquiétants sont diffusés en arrière-plan. Alors là, pour le coup, j'ai pas vu de cas d'effacement de mémoire, hein, comme on a pu le voir sur Taylor Swift, alors que je pense que d'ailleurs, tiens donc, c'est quand même très étrange, parce que pour avoir été à des concerts de Beyoncé, je peux vous dire que les fans de Beyoncé, dans le genre hystérique et dans le genre hyper réactif et plein d'émotions, mais là, il n'y a pas eu. Étonnamment, sur ce concert-là, on n'a pas eu de cas d'amnésie. Étrange. Mais donc, une fois que ce truc est diffusé, là, un message de la plus grande ironie est alors adressé au public, l'écran affiche la citation « Celui qui contrôle les médias contrôle l'esprit », attribué cette phrase, il faut le savoir quand même, à Jim Morrison. On sait tous comment Jim Morrison a fini. La présence de cette citation dans ce spectacle est assez ironique. Beyoncé est un produit qui appartient littéralement à ceux qui contrôlent les médias. Tous les aspects de sa carrière sont gérés par les plus grands noms de ces médias. En d'autres termes, ceux qui contrôlent les médias disent aux spectateurs qu'ils contrôlent leur esprit. Dans un segment troublant, les mots « mind control » sont montrés au public. Bonus, au centre du mot « contrôle », il y a une figure à quatre pattes qui implique une soumission sexuelle qui est clairement issue de la programmation bêta-quitaine. Quand même, quoi. Après avoir dit que les médias contrôlent l'esprit, Beyoncé réapparaît alors telle qu'elle est aujourd'hui comme une personnalité médiatique. Ça a du sens. Ensuite, les choses deviennent encore plus flagrantes, en tout cas plus flagrantes même pour ceux qui n'ont pas calculé les symboles depuis le début. Beyoncé est soulevée dans les airs et plane au-dessus de la foule comme si elle était devenue une sorte de figure divine. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça, c'est l'apothéose du transhumanisme. Fait pour vous convaincre qu'une fois libérée de ses chaînes grâce au progrès, elle est devenue toute puissante et libre. Ils sont malins, quoi. Comment ils ont essayé de retourner les choses une fois de plus à leur avantage en utilisant ce dont nous les accusons tout en nous convainquant, enfin en essayant de nous convaincre, que c'est ce dont ils vont nous libérer grâce à un progrès robotique qui nous transcendra. On est d'accord que là, des fois, ils ont le vis, ils ont le tournevis, ils ont la boîte à outils, quoi. On peut pas reprocher aux gens de tomber dedans parce que c'est rondement ficelé. L'industrie musicale adore présenter Beyoncé comme la reine de l'industrie musicale et aucune dépense n'a été épargnée pour faire la tournée Renaissance World Tour, un événement digne d'une reine. Et les gens ont applaudi tout le long du spectacle. Et ce n'est pas
la seule à faire la promotion en ce moment même de ce transhumanisme que le World Economic Forum veut vous vendre comme la prochaine étape de l'évolution humaine. Regardez donc le show de The Weeknd. Eh bien, si ça veut pas dire ce que ça veut dire, ils sont tous dedans, quoi. Que des robots, que des trucs où les robots, c'est les robots nos héros, quoi. Je vous le dis, les amis, ils vont vous vendre dorénavant, via leur sbire célèbre, le progressisme comme une nouvelle religion, parce que cette religion, hein, offre une promesse de salut. Dans ce cas, le salut et l'amélioration de la condition humaine par la technologie. Enfin, comme une amélioration matérielle, comme une idée de progrès dans laquelle l'être humain est amélioré. Cette amélioration peut inclure des éléments tels que l'allongement de la durée de vie, l'amélioration de l'intelligence et de la force surhumaine, et j'en passe et des meilleurs. La promesse finale étant que cet être humain remplace Dieu, devient Dieu grâce à la technologie. Alors je vous le rappelle, la vanité n'est-elle pas le péché préféré du diable? N'était-ce pas pourquoi Lucifer est un ange déchu qui a eu les ailes coupées et qui a été ainsi banni du paradis? Le problème de cette approche transhumaniste est qu'il s'agit d'une promesse fausse et vide, les amis. Car pour aspirer à ce processus, la condition sine qua non est que l'être humain cesse d'être humain. Vous progressez, mais le prix de ce progrès est que vous cesserez d'être ce que vous êtes. Ainsi, et seulement ainsi, l'homo sapiens peut se transformer en homo deus ou en toute autre forme de ce que moi j'appelle une néo-entité. Fondamentalement, la technologie va vous permettre d'être peut-être ce que vous voulez être, et c'est assez tentant au demeurant, mais au détriment de qui vous êtes, au détriment de votre âme. Ça fait un moment que je mets en garde contre cette nouvelle religion, en tout cas que je l'annonce. Il y a des vidéos, mes vidéos en contact, transhumanisme, World Economic Forum. J'essaie de démontrer par tous les moyens ce vers quoi ils veulent vous emmener, parce que c'est toujours les motifs. Ils vont choisir des histoires, des storytelling, où bien sûr c'est pour aider les handicapés, c'est pour réapprendre aux gens qui ne pouvaient pas marcher à marcher, aux sourds à entendre, etc. Dans l'absolu, si sur le papier on vivait dans une société incroyable avec des gens qui ne sont pas motivés par l'argent, mais véritablement par l'humain, et que ceux qui se présentent comme des philanthropes sont vraiment des philanthropes, ce serait merveilleux, bien évidemment, mais vous le savez comme moi, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on dirait que l'industrie hollywoodienne vient de passer la seconde. Donc, mon conseil, restez vigilants, les amis. Nous serons, et seulement ceux qui seront vigilants et en conscience, la nouvelle union sacrée, tous ensemble pour s'engager dans un combat commun, celui de sensibiliser et d'éveiller la conscience du maximum, comme au temps où l'union sacrée s'imposait pour chasser l'occupant et les collaborateurs. Je m'arrête là parce que je suis à deux doigts de chanter aux armes. En plus, avec le t-shirt, la panoplie est là. Merci les amis, j'en ai fini pour aujourd'hui, pour ce sujet touchy. J'espère que je ne vous aurai pas perdu parce qu'il y avait tellement à dire. J'ai essayé de faire succinct, j'ai essayé de faire clair et concis. Mais je sais que la plupart d'entre vous êtes déjà pas mal sur le dos. C'est pour ça que l'important, c'est surtout d'amener ceux qui en sont encore très loin ou qui s'éveillent à peine à pouvoir suivre le chemin, parce que c'est ma nouvelle phrase, c'est mon nouveau mantra, c'est le fait de chercher qui conduit à l'éveil. Et l'intérêt, hein,
c'est pas de discutailler entre nous de qui a les meilleures informations, qui est le plus en avant, est-ce que c'est bien correct, est-ce que j'ai pas pris des raccourcis. C'est vraiment de sensibiliser les gens à être curieux, à se poser les bonnes questions, à se réveiller doucement du carcan dans lequel ils sont enfermés, juste en se disant, c'est vrai que c'est quand même, il y a des trucs quand même très étranges. Ça, ça m'a interpellé, ça m'a moins interpellé. Il faut avouer que là, bon, ben, les arguments sont assez frappants. Et voilà, c'est un peu le process que j'essaie d'induire sur ma chaîne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous savez que comme la plupart de mes sujets, bon, ben, YouTube va pas me suggérer, va pas envoyer les notifications. Alors, pour m'aider, la meilleure façon de m'aider, on like cette vidéo. On la commente, s'il vous plaît, on la partage, vous êtes au top. Les nouveaux, abonnez-vous, plus on est grand, plus on est fort. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, même si c'est rare. Bon, dites-vous que je poste tous les dimanches. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, parce que pendant la semaine, je suis très active, surtout, surtout en story. En tout cas, merci encore, on est là, on est ensemble, on va y arriver. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, surtout, surtout n'oubliez pas, stay safe les amis. À dimanche prochain.